Bonjour à toi! Tu es venu pour vérifier tes connaissances sur le commencement de notre planète et les premiers humains en Amérique? J'espère que tu as bien écouté les deux premières capsules. Mais si jamais tu as oublié certaines informations, eh bien, avec mon quiz, tu vas pouvoir consolider tes connaissances. T'es prêt? C'est parti! Vrai ou faux? Lorsque la Terre est née, elle était exactement comme on la connaît aujourd'hui. C'est faux. Elle est née sous une forme de poussière qui est devenue une boule compacte. Elle n'a jamais cessé de se transformer et elle continuera encore, même lorsque tu seras un vieillard. Numéro 2. À quel endroit apparaît la première forme de vie? Sur Terre ou dans les océans? Si tu as répondu dans les océans, eh bien bravo, tu as la bonne réponse. C'est en effet dans ce lieu qu'une première forme de vie apparaît, il y a plus de 3,8 milliards d'années. Mais elle était si petite que tu ne l'aurais même pas vue avec tes yeux. Il y a 250 000 ans, il n'y avait qu'un seul continent. Comment se nommait-il? Le plancher ou la Pangée? Est-ce que tu as répondu le plancher? Mais non, c'était la Pangée. Tu sais que les continents continuent de bouger même de nos jours? Eh oui! Tu ne le sens pas, mais en dessous de tes pieds, notre continent se déplace un peu plus chaque année. Numéro 4. Vrai ou faux? L'homme ne descend pas du singe. C'est vrai. Scientifiquement, il est vrai que nous descendons de la même forme de vie, le tétrapode. Mais notre évolution a pris un chemin différent de celui du singe. Numéro 5. Les premiers hommes sont nomades. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Ils se déplacent ou ils vivent au même endroit? La bonne réponse était « ils se déplacent ». Nomade veut dire ne pas vivre longtemps au même endroit. Tu te souviens qu'ils suivaient les animaux qu'ils chassaient, donc ils se déplaçaient constamment selon les saisons. Numéro 6. D'où proviennent les premiers hommes d'Amérique? L'Asie ou l'Afrique? Les premiers hommes à venir sur le continent de l'Amérique provenaient de l'Asie. Mais les premiers humains qui sont apparus sur la Terre étaient de l'Afrique. C'est pourquoi cette région est connue sous le nom de berceau de l'humanité. Comment sont venus les premiers hommes en Amérique? Par la mer ou par une bande de terre? La bonne réponse était une bande de terre. Est-ce que tu te souviens de son nom? La Béringie. Elle reliait l'Asie et l'Amérique par le nord. Comment appelle-t-on les premiers habitants d'un territoire? Les Amérindiens ou les Autochtones? Ce sont les Autochtones.
Au Canada, on reconnaît trois groupes d'Autochtones. Les Amérindiens, ou Premières Nations, les Inuits et les Métis. De nos jours, il y aurait plus d'un million d'Autochtones au Canada. Vers l'an 1000, les habitants d'Europe viennent un certain temps sur l'île de Terre-Neuve. Ce sont les Gaulois ou les Vikings? La bonne réponse est les Vikings. Ils ne sont pas restés très longtemps et ils sont repartis pour des raisons méconnues. On ne peut que faire des hypothèses. À toi de faire la tienne! Numéro 10. Certains des animaux chassés par nos lointains ancêtres n'existent plus. Parmi ces choix, lequel existe encore? Le bison géant, le caribou, le mammouth ou le chameau laineux? La bonne réponse est le caribou. Savais-tu que le bison géant mâle était énorme? Imagine, il pesait 2 tonnes avec d'énormes cornes. Par contre, la femelle était beaucoup plus petite. Mais ce n'est rien à côté du mammouth qui pesait en moyenne, tiens-toi bien, de 6 à 12 tonnes. Wow! C'est énorme! Pour ce qui est du chameau laineux, il ne donnait pas sa place, puisqu'il avait une taille supérieure d'environ 30% à celui d'aujourd'hui. De plus, des ossements de cet animal ont été découverts dans le Grand Nord. Moi qui croyais que les chameaux ne vivaient que dans les endroits arides comme les déserts. Eh bien non! Tous ces gros animaux ont probablement disparu à cause des changements climatiques qui ont affecté la végétation. Il n'y avait plus assez de nourriture pour soutenir ces animaux gigantesques. C'est bien triste. J'aurais bien aimé les contempler. Et toi? Voilà! Tu as maintenant plein de nouvelles connaissances. Si tu veux continuer d'apprendre avec moi, voici 2 autres capsules. Commence par celle-là. Et après, tu prendras celle-là. Reviens vite me revoir. À la prochaine!